Ça qu'a fait Fanatic Yo, Benfica, Inter de Milan. Demain, on gros affiche dans la Ligue des Champions. Les paris sont ouverts. Deux équipes ont gagné des trajectoires de ces derniers temps qui sont diamétralement opposées. Pendant que Benfica lui-même y a bien mené dans le championnat, il a gagné 4 derniers matchs. Il a fait 1 nul dans 5 dernières rencontres. Et Inter de Milan lui-même, la batte de l'aile, il a perdu 1 fois. Il a fait 2 victoires, 2 nuls. Alignation, quand Jean-Remy dit, line-up probable pour demain, c'est Chodimos, Gilberto, Antonio Silva, Grimaldo, Chiquinho, nous songez, je vois ça, Aounès, puis Rafa Silva, Mario, Joao Mario, ancien joueur de l'Inter de Milan, et puis Ramos, qui a pas à la tête de l'attaque, qui a gagné justement la tâche pour supporter Joao Mario. Joao Mario qui était joué dans le registre un peu plus bas, il était dans l'équipe Inter de Milan, mais à fois ça dans l'équipe Benfica, il joue un plus grand rôle. Équipe Interland, lui-même, les supposés aligner Onana, Darmian qui a remplacé Skriniar, Acerbi, Bastoni, donc en 3-5-2, Dumfries, Barilla, Brozovic, Mkhitaryan qui est sur un nuage ces derniers temps, même si il est un peu personnel des fois, et puis Di Marco à gauche qui a supporté Dzeko, et puis Lautaro Martinez, même si nous connaissons que Romelu Lukaku a fait forcing pour le commencer match là, mais c'est plutôt Dzeko qui gagne en finesse de jeu dans pied, c'est balle collée, le monsieur gagne ballon, monsieur vraiment son vrai technicien. N'a demandé est-ce que monsieur pas fait un mauvais choix s'il était joué dans mi-temps terrain, monsieur t'a fait vraiment un gros meneur de jeu. Et nous songez qui player ça que nous pas le montrer là, qui pour le bail peut-être en pile fil à retard à défense inter là, c'est un ancien joueur de l'Inter de Milan. Nous guettons deviner depuis nous deux types pour ça en l'air, c'est bien sûr n'a parlé de demi offensif Joao Mario qui est actuellement transféré dans Benfica depuis 2021. Monsieur transféré dans Benfica et monsieur a fait les bonheurs de l'équipe de Benfica. Donc monsieur, en l'absence de d'autres joueurs qui papent là demain, c'est monsieur qui a vraiment le joueur clé pour l'équipe de Benfica. Tandis que du côté de l'Inter, bien sûr, il a compté sous El Toro, Lautaro Martinez qui pas mené bien en sélection, mais dans l'équipe Inter de Milan, monsieur, c'est un assassin en avant. Abgentou, Romelu Lukaku, s'il montait dans le match là, ou bien s'il commençait le match là, moi pense que c'est un joueur clé. D'ailleurs, il était pesé lourd dans l'autre rencontre que l'Inter a gagné face à l'équipe portugaise dernièrement. C'est l'Inter qui a éliminé l'équipe portugaise. Donc, ça fait que monsieur a fait des forcing pour le cas commencer. Romelu Lukaku qui a une trajectoire qui opposait tout avec Lautaro Martinez qui n'a pas bien mené dans la sélection. Lautaro Lukaku lui-même l'a bien mené dans la sélection, mais dans le club, il n'a pas réglé en rien. Tandis que Lautaro, c'est le contraire. Il n'a pas réglé en rien dans la sélection, l'a mené dans le club. L'autre joueur, je pensais que qui cabaille vraiment du fil à retordre à milieu de terrain Benfica, c'est bien sûr Barella que n'a pas gardé là. Très technique, balle au pied, et puis qui est un peu intrépide. Mais des fois, monsieur fait trop et geste qui un peu risqué et qui mettait l'équipe là très souvent en difficulté. Et puis bien sûr un joueur qui est capable de relancer avec en présence d'un joueur quand vous Zeko devant, et bien Bastoni vient ultra important parce que Bastoni monsieur gon passe long qui très très efficace et le laguel dans défense centrale adverse là avec un jeu de tête quand court Zeko, même si des fois on pas comprendre qui bon Zeko a fait tête, est-ce que son tête défense ou bien son tête attaque, parce que monsieur qu'on en face goal là et puis il met le ballon corner carrément, si t'es défenseur il tape bas tête et auto goal, donc on baille ça des fois. Mais Zeko
avec Onyekangu, Bastoni et puis Di Marco, monsieur capable vraiment vraiment létal fatal dans surface de réparation. Un très bon match. Inter de Milan, pas parti favori, c'est plutôt l'équipe de Benfica. Benfica donc qui gagne faveur de bookmaker à 43.1% que l'ap calé match là, c'est ça que yo prévoit. Et puis équipe Inter de Milan gagne seulement en probabilité de 28.3% et gon l'autre 28.3% 0.6% qui peut-être qui ont pensé que c'est pour là un match nul. Équipe Benfica pourrait quand même manquer 4 joueurs importants et c'est pas et puis c'est pas des joueurs petits que vous voyez. Équipe Benfica Mbadou très bientôt qui joue ça au qu'elle a pointé. Benfica donc a joué sans Julian Draxler, là il a joué sans Bap bien sûr et puis Gonzalo Guedes et puis avec Ristich qui parle pas plat pour l'équipe de Benfica. Donc 4 gros tontons pièces maîtresses. Donc surtout avec Draxler et puis Guedes à droite qui était qu'a fait vraiment mal à la défense gauche de l'Inter de Milan. Et bien sûr, tandis que Romelu Lukaku lui pas commencé match là parce que jusqu'à présent entraîneur Inter là monsieur refusé, donc Simone Inzaghi monsieur refusé jouer avec 3 attaquants des fois. Donc en 4-3-3, monsieur quoi dans 3-5-2 lit et pas gagné peut-être à la demain à presque 24 heures de match là. Nous est mal que monsieur pourrait changer système tactique ça. Des fois le lit en barré, le besoin en goal, le besoin égaliser, le vraiment gagné en circonstances atténuantes. Lit qu'on monte 3 même 4 défenseurs avec Aslani tout qui compte monter. Et des fois Lukaku qu'on là et bien sûr Lautaro Martinez etc. Mais demain joueur que moi-même moi pensé qui pourrait vraiment un joueur clé qui pape là pour l'Inter de Milan c'est bien sûr l'absence de Hakan le Turc donc Hakan Çalhanoğlu mais gagné un point d'interrogation sur Henrik Mkhitaryan. Est-ce que Mkhitaryan est capable de remplacer Çalhanoğlu? Eh bien, même penser que Mkhitaryan a gagné capacité ça. Si au bal plus rôle offensif dans l'équipe, il a gagné capacité ça. Eh bien, demain, nous pourrons voir si Mkhitaryan, justement, il vaut tout ça qu'il a parlé de lui. Parce que nous, d'après pour que Mkhitaryan, le tenant AS Roma, j'étais vraiment frustré pour gens que monsieur connaît que le tabac est boule et il t'a vraiment moisi sous bande touche là. Nous sommes songé que Mkhitaryan c'est Guardiola qui t'est voué chercher. Guardiola t'est venu mettre sous banc. Guardiola pas de jambe qu'a fait entrer dans le système de jeu là. Nous connaissons Guardiola, c'est un entraîneur qui est vraiment difficile des fois. Monsieur Papa, en pile chance, s'il pas quoi dans ou à 100% sous pour un super vedette carrément la écarte de l'équipe là. Et bien Mkhitaryan t'es fait les frais de décision de Guardiola justement qui t'es mette à l'écart de l'équipe là. Et Mkhitaryan t'a essayé à redorer blason dans AS Roma mais ça pas marché plus parce que l'arrivée dans AS Roma était jeune en certain José Mourinho qui te mette souvent pirade et c'est là que Simone Inzaghi bat monsieur en troisième vie. Est-ce que Henrik Mkhitaryan lui-même l'homme du match demain? Nous pensons que il a une capacité pour ça, mais surveillez s'il vous plaît Joao Mario qui c'est en demi offensif qui a joué en 9.5 qui vraiment vraiment létal fatal j'aimerais me dire dans ce phase de réparation l'aime ça jouer à boule la couler dans pied donc un très bon match à voir demain d'après encore.